à fond dans le foot depuis le CP. 19e arrondissement, on joue hiver comme été. 98, j'ai 8 ans, c'est la coupe du monde. Le ballon rond devient ma raison de vivre définitivement. Les années passent, mon père m'emmène au Parc des Princes. Je peux pas m'empêcher de regarder les virages. Ces milliers de gens dans une même chorégraphie, comme un seul homme même quand le score est négatif. Un mur d'écharpe à l'heure d'entonner un hymne, prêt à exploser à l'orée d'un pénalty. À 14 ans, je suis abonné en tribune G à l'élaboration des tifos. J'essaie de contribuer toute la semaine dans les coursives avec les autres habitués pour divulguer nos tafs à l'entrée des joueurs et qu'ils soient stimulés. Je vis pour le blason de mon club et mon association. Comme plus tard avec le rap, je mets tout dans ma passion. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. 15 ans, je fais mes premiers déplacements. C'est le début de la guerre entre Auteuil, Boulogne et ses indépendants. Certains sont possédés, pensent qu'Auteuil est trop coloré. On se tolérait, mais deux simples querelles deviennent de gros merdiers. Je me rappelle à Auxerre, ils chantent la France aux Français. Quand ils lancent l'offensive, je dois me défendre sans trop penser. Tu vois l'esquisse, un drame collectif puisse. Plus tard, une rixe termine en rest in peace. On n'a pas fait ce qu'il pire. Les dirigeants s'en sont frottés les mains pour déloger les miens, revendre le club et récolter les gains. Les médias ont erroné les faits sans très bien raisonner. Assimilant des milliers de passionnés à développer de crétins, c'est trop facile. Faire une morale réprobatrice pour mettre tout le monde dans le même sac et ruiner nos acquis associatifs, c'est tendu. On chantait mais on n'était pas entendu. Tout notre amour pour le club, vous ne l'avez jamais rendu. Je reste un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas. Maintenant j'ai 24 ans. Des années que je suis pas allé au parc. 5 ans d'abonnement derrière moi gravé dans ma mémoire. Je repense à tous mes amis, ma mif, les travées du stade. Comme dirait Fab, ça fait partie de mon passé. J'aimerais croire au retour des ultras et des prix abordables. Mais les clubs pensent comme des multinationales, ne respectent pas nos droits. Voilà la vérité, tout ce qui compte c'est les billets. Pas de place pour des assos qui elles aussi veulent décider. Mais qui sont les dignes héritiers du club? On a vu défiler joueurs et dirigeants. Le stade on l'a toujours fait vibrer. Et ce bien avant les Zlatan, bien avant que préside Nasser. Je te jure qu'il y avait plus d'ambiance à l'époque de Francis Yasser. Donc ouvrez vos oreilles et mettez vos lunettes. Vous avez besoin de tribunes festives, cosmopolites et populaires. Voilà pourquoi on milite, pour que le club soit complet. De Paris à Marseille, je sais que tous les ultras me comprennent. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas, rendez-nous le pas, rendez-nous le pas. Je suis un ultra parisien. Rendez-nous le pas.